Je suis Fred, je viens vous parler de l'acrylique Prismo 2 de la marque d'Albe. Alors la Prismo 2 est une très très bonne acrylique fine. Vous savez, les couleurs on les classe en trois grandes catégories: étude, fine, extra fine. Et là on est donc sur une fine avec une grande gamme de 60 couleurs qui sont très toniques, très belles, très puissantes. Tout ça pris dans une bonne pâte pour travailler directement sorti du pot, soit au couteau, soit au pinceau. Et on peut aller encore plus loin dans l'épaisseur, bien sûr, en mélangeant l'acrylique avec des gels épaississants. Ou alors, de l'autre côté, en fluidifiant avec des médiums à peindre. Le conditionnement est super étudié. On voit que ça a été travaillé par des artistes pour des artistes. On a des tubes de 120 ml, de 200 ml, et des pots de 500, d'un demi-litre, et des pots d'un litre entier. Super pratique, on gâche rien, on va jusqu'au bout du pot, et puis on a soit directement accès à la pâte, qui est magnifique encore une fois, soit on a accès par l'intermédiaire d'un gros biberon à une diffusion plus lente. Voilà. On va faire quelques zooms, on va vous montrer de très près cette peinture qui est très très belle, au couteau et au pinceau. Alors première utilisation, d'abord la pâte en elle-même, onctueuse. Et regardez, qui garde l'épaisseur, hein, qui permet de travailler directement au couteau, au spalter. Et qu'on peut aussi étaler avec une belle concentration de couleurs. Et une consistance vraiment riche, riche et onctueuse de la pâte. Deuxième utilisation au pinceau. La brosse, tout simplement, et là on voit qu'on peut facilement imbiber nos brosses, nos poils. Toujours, c'est sorti du cube, hein. Il n'y a aucun médium pour l'instant. Et ben voilà, une acrylique super sympa, un très très bon rapport qualité-prix, un prix unique pour 60 couleurs qui sont toutes toniques et éclatantes, une très belle pâte, des conditionnements hyper ergonomiques. Il n'y a plus qu'à, c'est à vous, allez-y, et à bientôt.